Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire des macaronis au fromage, donc c'est parti. Pour nos macaronis au fromage, on aura besoin de tagliatelle. Champignons, de l'oignon, de l'ail et de poulet, de farine, du lait, du beurre, de la noix de muscade, du sel et du poivre. Et on a aussi besoin de fromage. Du parmesan et de l'emmental. Ok les filles, on va commencer par la béchamel. Amira vient mettre le beurre dans la casserole. Aïda va tourner. Attends, elle va tourner. Mais le beurre n'a pas encore fondu. Regarde. On va laisser le beurre fondre. C'est 100 g de beurre. Hein. 100 g pour la béchamel, 100 g de beurre, 100 g de farine et 1 demi-litre de lait. Ok, le beurre a fondu. Tiens, mets la farine. Voilà. Petit à petit. Mets la noix de muscade. Voilà. Attention au feu. Un peu de poivre. Une pincée de poivre. Une pincée de sel. Mélange bien. Tu vois, ta béchamel est devenue épaisse. Épaisse, bien lourde. Voilà notre béchamel, on la réserve. On y remet un peu de sel dans l'eau. Une demi-cuillère à café. Doucement, bébé. Oui. Doucement. Voilà. On va la laisser cuire. Doucement. On va la laisser cuire. 3 minutes. Les tagliatelles, elles sont prêtes, on les réserve. Aïda, tiens, mets un peu d'huile. Ça va. Bon. Ajoute l'ail et les mains. Un peu de sel. Un peu de poivre. Aïda, prends les champignons, tu vas les mettre. Tu vas ajouter au poulet. Voilà, mets tous les champignons. Attention au feu. Bravo! On a une grande cuisinière ici. Mais pas. Voilà, tu as rajouté le fromage dans la béchamel. Non, pas ce fromage. Attends d'abord. Tu mélanges bien. Mélange. Doucement, la casserole est chaude. Voilà. Et puis tu vas prendre ton poulet. Attends. Tu rajoutes tout ça. Tu rajoutes le poulet. Les champignons. Tout ça. Et tu mélanges bien. Tu vois ça. Maintenant, ce que tu fais. Tu prends le moule. Et tu fais quoi? Tu vas renverser tout ça sur tes tagliatelles. On mélange après? Oui. Oh. Je vais mélanger. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu vas faire ensuite? Qu'est-ce qu'on va faire? Il reste encore le fromage, non? Non, il reste encore le fromage. On va mettre le fromage au-dessus. Amira, viens l'aider à faire ça. Et puis, on va gratiner. Non, non, on ne reste pas. On prend la main. Ah oui. C'est bon? Un peu? Pour saupoudrer.
Mettez tout le fromage. Venez mettre le fromage. Voilà. Tu as tout le fromage. Voilà. Et on va mettre tout ça au four. 15 minutes. 15 minutes? Oui, 15 minutes. Et voilà nos tagliatelles qui sortent du four. On va se régaler. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, partagez, likez et cliquez sur la cloche de notification. Au revoir.